Un samouraï chevauche en quête d'une auberge afin de se reposer. Et voilà qu'il sent une bonne odeur de soupe s'échapper d'une auberge à l'aspect accueillant. Il rentre, s'assoit et pose son beau katana en argent sur la table. Pendant que le samouraï se restaure, trois renards arrivent au lointain à cheval. Sûrs de leur coup, à 3-1, ils s'assoient à une table voisine et mettent tout en œuvre pour provoquer le samouraï. Celui-ci reste imperturbable comme s'il n'avait même pas remarqué la présence des trois renards. Loin de se décourager, les trois renards se font de plus en plus railleurs. Samouraï attrape les trois mouches qui tournaient autour de lui, et ce, avec les baguettes qu'il tenait à la main. Puis calmement, il repose les baguettes parfaitement indifférent aux troubles qu'il venait de provoquer parmi les renards. En effet, non seulement ceux-ci s'étaient tus, mais pris de panique, ils n'avaient pas tardé à s'enfuir. Ils venaient de comprendre à temps qu'ils s'étaient attaqués à un homme d'une maîtrise redoutable. Plus tard, ils finirent par apprendre avec effroi que celui qui les avait si habilement découragés était le fameux Miyamoto Musashi.